Allez, c'est reparti pour un petit stream sur Magic. Là, comme j'ai un petit peu de temps libre, je vais faire un toc de stream. Là, je vais faire les streams à la chaîne. Je vais en faire plus vite que William Sorare remplit les boîtes de conserve, je pense. Vu que je pars aux Bahamas la semaine prochaine pendant une semaine, donc je pourrais pas poster de vidéo. Donc voilà, j'en fais plein d'avance. Que je posterai au fur et à mesure. Je vais pas me casser les couilles. Hein. Pas me casser les couilles. Je vais toucher les gains des publicités et puis ce sera très bien. Je vais pas me casser les couilles. À partir de 19 abonnés, à partir de 19 abonnés, je me casserai les couilles. Mais là pour l'instant, bon, je vais pas trop me casser les couilles. Alors, donc je vais tester une nouvelle couleur. Je vais tester le deck marée. Le deck castor des marées. Alors, donc c'est en direct live, j'ai encore jamais joué ce deck, je le découvre en même temps que vous, il n'y a pas de trucage, c'est une vidéo que je fais sans filet quoi, là vraiment je m'expose, je prends des risques, j'innove, parce que c'est notre projet. Alors, d'accord. D'accord. Je vais pas aller trop loin dans l'analyse pour pas vous perdre quoi, mais on a une main plutôt croustillante, je dirais. Face à Piper Liar. Un départ classique, mais efficace. Tiens, je sais pas ce qu'ils mettent dans leur thé, mais ça fait bien rôter, game, c'est dégueulasse. Ils pourront arrêter de faire ça. Alors. Bon, on va être une de deux. Déjà en train de dominer, quoi. 21 à 19. Waouh! Waouh. Il a plus que 17 points de vie quoi, il est déjà dans la merde. Il est au fin fond de la merde quoi. Il est dans la fosse à purin et il a déjà plus pied quoi. Bon je pense qu'à sa place moi je suis un 2. C'est ridicule la densité comme ça, c'est ridicule. Surtout qu'on a plus d'un tour dans notre sac si on pioche des terrains. Qui c'est ici? Quand la barrière d'os arrive sur le champ de bataille, surveillez 1. D'accord. Regardez la carte du dessus. Tiens. D'accord. D'accord. Donc pour l'instant les terrains. Non. Je me suis pas abonné au terrain, donc c'est pour ça. Pour l'instant j'en ai aucun. Oh c'est la Bérésina quoi. Oh c'est la Bérésina quoi. Là, je bois un petit thé citron, hein, c'est délicieux. Fossoyeur. Quand le fossoyeur arrive sur le champ de bataille, vous pouvez renvoyer une carte à des créatures civiles que votre cimetière dans votre main. C'est pas dégueu. Hein. Si on pioche des terrains, c'est pas. Bon, ça sert à rien pour l'instant de jouer ça quoi, en fait. C'est quoi ça? Tant que le cheval novice est enchanté ou équipé, peut-être. Tant que le chevalier novice est enchanté ou équipé. D'accord, pour l'instant il peut pas. Ah non, il peut pas attaquer, ouais, c'est tout. Il peut bloquer, il peut me mettre la carotte. Là, il va bloquer, on va lui mettre une carotte! On va lui mettre une grosse quenelle. On va lui mettre une quenelle de 6. Allez hop, quenelle de 6. Hop là. Quenelle de 6. Putain, j'ai pas vu, il avait joué un truc là. Les créatures équipées gagnent plus 1, plus 0. Ouais, paraît bizarre son deck. Hein. Il paraît bizarre, hein. Bon.
Paraît très bizarre son deck. Ça sert à rien d'attaquer avec les autres, de toute façon il va simplement bloquer. Il y a un deck mur quoi. Il a un deck spécial, je fais durer la vidéo 30 minutes quoi. Alors que j'ai encore 5 autres streams à tourner juste après. Je sais pas s'il se rend compte, mais on n'a pas tout son temps. Il se rend pas bien compte hein. Piper Layer là. Piper Layer là. Il se rend pas bien compte, j'ai l'impression. Bon, je sais pas, peut-être tu me prends pour un con. Il doit pas savoir que je fais partie des casseurs de la casse. Il doit pas savoir. Il doit pas savoir. Voilà. Sinon, est-ce que je peux avoir des terrains? Ah bah c'est bien ça. Éphémère, ouais, donc je peux le faire quand je veux. Mais dépêche-toi! Grande quigne, va! Grande quigne! Quelle grosse quigne, quoi! On sent un peu quand même le joueur. Joueur quinteux en face, quoi. Le joueur avec de la bonne benne, quoi. Va attaquer avec tout et on va lui tendre un petit piège. Auquel, okay, j'espère il va répondre. On va lui tendre un petit piège, pas piquer des hannetons. Il risque d'être déçu là. Oh là là, il risque d'être très déçu. Oh là là, très déçu. Oh bah non, s'il bloque avec ça. Et bim! Et voilà. Ça fait chier de poser ça. J'ai pas perdu une seule créature donc. Et en même temps. Allez. Allez, Mouvioas, là, tu sais très bien que t'as perdu avec ton deck de merde. Le deck marais là, bon, plutôt efficace pour l'instant. On va partir sur un 100% de 100% de victoire avec ce jeu, je pense. Au moins, est-ce qu'il me sort une carte complètement pétée hein. Je pense pas qu'il ait cet espoir. Qu'est-ce que c'est? Mettez une carte ciblée de pièces. Oh, what the fuck! Donc il a un petit peu des cartes pétées. Ça ne me plaît guère. Vas-y, j'ai récupéré le Fossoyeur. Voilà. D'accord, mais sinon c'est quoi ça cette carte? Détruisez toutes les créatures. D'accord. Bah ok, bah c'est une bonne carte. D'accord. Pourrait pas faire une carte gagner la partie sinon? Pourquoi pas? Alors. Peut pas être la cible de sort en plus. Putain, c'est insane. Je vais peut-être prendre celle qui a le vol. Il me casse les couilles avec ses défenseurs depuis tout à l'heure. Alors je vais attaquer avec tout. Et là, s'il a pas de quoi défendre, il a perdu en fait. Il a perdu, lui, si tu crus. Ça sent la quenelle de 6. Quenelle de 6, voilà. Tout simplement. Ça avait été prévu.
Et voilà, bah faudra faire, je pense, sur la chaîne Neka sort de la casse, une playlist spéciale Magic. Voilà, comme ça vous pouvez vous regarder toutes nos vidéos sur le jeu Magic. Et vous pourrez devenir un pro comme moi, je pense. Voilà. Et faire des victoires avec les decks de base. Et rester sur une win rate de 100%. Bon, sur ce, moi je vais enchaîner pour le prochain. On fait ça à la chaîne, on va tarte. Dîner.